musique de Balbuzard, c'est quoi? C'est l'envie de faire une musique qui correspond à certains codes de la danse traditionnelle, ici en Europe du Nord, on va dire, mais tout en la mélangeant à des arrangements originaux, donc des compositions originales. Et du coup, évidemment, un travail vraiment fort, fort important sur la qualité des arrangements, comme si c'était un concert finalement. Donc les gens qui ne connaissent pas les danses traditionnelles auront autant envie d'écouter le concert et ils ne s'ennuieront pas pour autant. Mmh. Et donc on profite bien des couleurs des différents instruments, donc le violon, les percussions, l'accordéon diatonique, en créant des dialogues, des secondes voix, des moments de... des moments d'improvisation. Tout à fait. Et donc je disais, c'est des compositions personnelles de Fredo et de moi, qu'on a travaillé ensemble avant de les proposer pour le projet. C'est un peu comme des briques qu'on serait venu proposer à l'autre, et construire un mur avec différentes influences pour le partager avec les danseurs et avec les non-danseurs aussi. Il y a différentes influences. C'est vrai qu'il y a les influences de la musique de par ici, les influences plus du sud, de l'Espagne, du Portugal, ça va jusqu'en Orient, vers le jazz un tout petit peu. Voilà. Donc c'est un bon moment qu'on passe nous sur scène pour le partager avec le public. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on crée des liens avec des gens qui n'ont pas du tout d'affinité avec le folk à la base. Donc souvent, on nous programme dans des lieux où les gens sont de passage, dans des festivals par exemple, et ils se disent « tiens, qu'est-ce que c'est ?» Parce qu'il y a des choses qui les attirent, comme les percussions, le côté punchy de certains morceaux, et ce côté un peu... fêtard, de la musique folk qui se retrouve derrière. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que notre intention, c'est de rompre avec cette image éventuellement poussiéreuse du bal folk, de la musique folk, et de se positionner vraiment sur la scène moderne et de pouvoir jouer partout. Par rapport à un concert classique, ce qui est très important dans notre concept, c'est qu'il y a un lien très très fort entre les musiciens et les danseurs. Donc si on va plus vite, si on va plus lentement, si on met plus de punch dans ce qu'on joue, on va voir directement la différence chez les danseurs qui sont à l'écoute de ça et qui vont modifier leurs gestes par rapport à ça. Donc on est toujours en communication avec eux. Mmh. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'on a envie de transmettre une émotion aux danseurs. Mmh. Parce qu'évidemment, quand on est en concert aussi, sauf qu'on ne la perçoit pas, nous. Mais donc là, le fait de transmettre une émotion, d'avoir cette volonté-là, de transmettre une émotion de joie, parce que finalement, le bal folk, c'est surtout ça, c'est surtout de la joie. Parce que finalement, le bal folk, c'est quoi? C'est la fête. Eux, ils reçoivent ça, ça se voit directement sur leur visage. Ils reçoivent cette joie, le sourire, la manière de danser qui change. Et ils nous la renvoient. Ce qui fait que nous, on s'en sert de nouveau pour se nourrir de cette énergie et pour renvoyer de nouveau cette joie et le fait qu'on s'amuse, qu'ils s'amusent, etc. Et ça crée vraiment ça se construit comme ça, un bal folk. Balbuzard existe depuis 2009. On a joué pas mal de fois en Belgique, en Flandre, dans d'autres pays aussi. Et alors le répertoire de base qui était plutôt
composer de musique trad a évolué vers de plus en plus de compositions. On a continué à composer aussi avec les remarques des danseurs qui sont venus nous trouver à la fin des bals. Et on a, au fur et à mesure, construit du répertoire avec les remarques des gens. Mmh. Et notre envie, pour le présent et le futur, c'est de continuer à évidemment composer ensemble, qui est super enrichissant pour le groupe, et de continuer à partager cette musique avec le max de gens, en créant des ponts, comme on disait, en dépoussiérant cette musique et en la partageant pour faire la fête.